On va déballer la bête. Donc c'est un véhicule qui est à l'échelle 1/8, donc c'est quand même quelque chose de très gros. Là, je vais pas vous mentir, je ne l'ai jamais ouvert, j'ai enlevé le dépastillage ici, mais là je vais la découvrir en même temps que vous. C'est un rêve, c'est un rêve d'enfant, j'en ai toujours rêvé de cette voiture, et voilà, donc on s'est fait plaisir. Donc là, le démarreur avec la tige de démarrage, le rotor pour justement mettre en route le moteur. Ensuite, la fameuse télécommande. On va voir quelle gueule elle a, cette télécommande. Elle est cool. Avec la petite antenne archi discrète. Franchement, pas mal. Pas mal du tout. J'aime bien. Cool. Il reste quoi d'autre? Bah là, il reste plus rien. On va enlever le carton de protection qu'il y a. Un peu du moins si on y arrive. Non, c'est pas possible. On va lever la bagnole. Putain, qu'est-ce qu'elle est lourde! Et voilà la grosse bébête. Bon, bien sûr, il y a la notice d'utilisation. Il doit y avoir même des stickers en plus et tout le bordel. Cool. Bon, je vais enlever le carton de là. Comme ça, on va y voir un petit peu plus clair. Hop là. Hop là. Voilà la grosse bébête. On va défaire les clips de la coque qui sont vraiment très gros par rapport à une bagnole en 1/10 que vous avez déjà vu que j'ai. Waouh, la taille du bloc, il est énorme, c'est fou. Donc là, on a une cylindrée. Donc là, les amis, on a une cylindrée de 4,6 cm3. Donc je vous montre un peu la bébête. Tac, filtre à air, le moteur, réservoir d'essence, bien sûr, les suspensions qui vont bien. Il y a vraiment du débattement à gogo avec les petites jantes noires qui font plaisir. Je ne les voulais pas chrome, ça tombe bien.
avec le petit parbuffle qui fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. N'importe quel véhicule thermique, en règle générale, pour faire le rodage du moteur, il faut faire un plein d'essence et laisser tourner au ralenti jusqu'à que le réservoir se vide. Et comment dire, moi personnellement, je vais faire deux pleins. Je vais faire deux pleins, comme ça au moins je serai tranquille dans ma tête. Je sais que le rodage sera parfait parce que là, c'est pas un petit 2,5 cm3. Là, c'est quand même un 4,6 cm3. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte de la taille du moulin, mais il est juste énorme, quoi. Il est juste gigantesque. Donc là, l'échappement, pam pam pam, tac, et la sortie qui va ici. Ce véhicule, il est freiné par des doubles freins à disque. Là, vous voyez le différentiel. Normalement, c'est une boîte 2. Normalement, il y a deux vitesses automatiques. Et puis voilà quoi. Ce que l'on va faire bien sûr, c'est qu'on va déballer les paquets restants. Donc là, une clé, bougie pour les roues, pour plein de choses. Les piles, je pense que c'est pour la télécommande. Une bougie de rechange. Ça, je pense que ça doit être la batterie pour le servo-frein. Bah oui. Obligatoire. La batterie pour le servo-frein, pour la direction et l'accélérateur. Donc ça, on peut jeter. Ensuite, on a bien sûr le chargeur avec les différents adaptateurs qui vont bien en fonction de là où vous vivez. Moi, bien sûr, ça sera une connectique Europe. Hop là. Donc ça, ça sera pour charger la batterie pour le cerveau, pour les cerveaux direction et accélérateur. Hop là. Donc ça, ces trois autres là, j'en aurais pas besoin. Et comme un con, j'ai arraché le plastique alors qu'il y avait juste à faire ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une ouverture? Non, il n'y a pas d'ouverture. Là, je pense qu'il doit y avoir diverses pièces et variées. Hop là. Donc, on va voir c'est quoi. Donc, des clips et des clés BTR en avance, une petite clé plate. Et des clips en plus, et il y a même des joints en aluminium. D'ailleurs, je sais pas à quoi ils servent, je saurai ça en temps et en heure. Alors ça, c'est quoi? Diverses rotules. Diverses rotules et cales, levier de direction et tout le toutim pour faire des réglages de direction et aussi de suspension. Raffermir ou assouplir. Les mousses de filtre à air, deux mousses de filtre à air supplémentaires. Et ça, c'est pour. Et ça, c'est pour. Attendez, on va voir ça tout de suite. Donc ça, ce sont des pare-boue en plus, je pense. Des protections peut-être latérales, je sais pas. On va lire le manuel, on va pas se prendre la tête. Là aussi, il y a des carrés, arrêtoirs justement pour les roues avec des écrous supplémentaires et les tiges qui vont bien. Excellent. Ça, c'est soit pour le cerveau de direction, soit le cerveau d'accélérateur. Mais ce que je comprends pas, c'est que j'ai déjà une grosse batterie ici. Alors, est-ce que ça serait pour autre chose? Je ne sais pas. On va voir ça très vite. De toute façon, je vais déballer la notice d'utilisation pour éviter de faire des bêtises. Ah, donc ouais, ça c'est la batterie. Ça c'est la batterie pour le démarreur. Ça c'est la batterie pour le démarreur. D'accord, fallait le savoir.
Donc ça va comme ça. On ouvre. On le branche bien sûr ici. Et après on enquille la batterie à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. Si tout était simple, ça serait magnifique, hein, vous ne croyez pas? Ça reste à mettre en charge avant utilisation. Ça, c'est les piles pour le cerveau, cerveau direction et accélérateur. Le support pour mettre des piles, rechargeables ou non. Je vais utiliser celle-là pour l'instant. Dès qu'elles seront en mode, je mettrai des piles rechargeables. Et la télécommande, il lui faudra... Ah, c'est bien, ça change, il lui faudra seulement 4 piles. Parce que sur mon autre, il lui faut 8 piles. Donc, autant vous dire que c'est un véritable gouffre à piles, quoi. Donc, ouais, la télécommande prendra uniquement 4 piles. Excellent. Excellent. Franchement, juste l'antenne, toute rikiki comme ça, là, je trouve que c'est super. Avec la petite poignée, ça fait plaisir. Non, agréable. Ça change de ce qu'il y avait dans le temps. Ils disent que dans le carton, il y a un chauffe-bougie avec une pile. Et là, j'ai rien vu de tout ça. Le chauffe-bougie, il n'est plus là. La pile n'est plus là. Ils disent qu'il y a une petite clé. J'ai la grosse, mais j'ai pas la petite. Après, est-ce que je vois clair? La petite clé plate, elle est là. Ils disent qu'il y a une petite pipette. Une bouteille de carburant offerte avec... Elle y est pas. À moins que j'ai de la merde dans les yeux, mais... Quand même, pour le prix de la voiture, ils auraient pu faire quand même un effort. Parce que là, ils disent que c'est là, mais c'est pas là. Les BTR sont là. Chargeur, les piles, la clé plate, le démarreur. Enfin bref, heureusement que j'en ai un déjà de chauffe-bougie, quoi. Heureusement que j'en ai un. Voilà dans le jardin. J'ai déposé la coque pour plus d'accessibilité. Donc le constructeur préconise, HPI, deux pleins au ralenti. Et après deux autres pleins, je vous montrerai, enfin je vais vous montrer, vous allez voir. Donc là, on procède à remplir le réservoir. Évite d'en foutre partout, hein, c'est quand même de la nitro. Ensuite, on passe le démarreur ici. On met le chauffe-bougie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucher l'échappement pour faire monter l'essence. Voilà, normalement ça devrait aller là. Mise en route un peu foireuse. Ralenti.
encore un peu de ralenti. Pénible ce ralenti. Pénible. La mise en route est concluante. On se revoit tout de suite une fois que les deux pleins ont été faits. Et puis après, je vous montrerai la suite du rodage. Donc là, je viens de faire le deuxième plein de rodage. Je viens de mettre le véhicule en route. J'ai réglé un peu mieux le ralenti. Il était un petit peu trop haut. Ça boucane quand même, hein. Ça boucane pas mal. Là, je suis en train de réveiller les voisins avec cette merde. Une fois que le rodage sera terminé, le rodage moteur sera terminé avec les deux pleins, et ben, il faudra bien sûr faire le rodage de tout ce qui est différentiel et boîte de vitesse. Ça veut dire que deux pleins à mi-gaz. Deux pleins à mi-gaz, pas plus. Surtout, pas plus quoi. On fait le rodage du châssis gentiment une fois que le rodage du moteur est fait. Et une fois ça fait, on peaufine les réglages au niveau du pointeau du carbu pour affiner les réglages et augmenter les performances du moteur. Même si maintenant là, on se retrouve avec une essence à 16% de nitro, normalement c'est entre 20 et 25 sur ce moteur. C'est pas ça qui va empêcher de tourner, mais il n'aura pas du tout sa pleine puissance. Mais j'essaierai bien sûr de me procurer entre de la 20 et de la 25% de nitro. Et on verra bien ce que ça donne et je vous donnerai mon ressenti. Le moteur vient juste de couper au moment où j'ai coupé la caméra. C'est bon, là il vient juste de couper, le réservoir est vide. Donc là maintenant on va laisser le moteur refroidir.
Et une fois que le moteur aura bien refroidi, on va partir dehors, on va aller faire le rodage châssis. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, voilà la bête. Je sais pas si vous la voyez dans la caméra. Ouais, voilà la bête. Elle est rodée. Alors ce que j'ai fait pour le rodage châssis, mi-gaz, et encore moins que mi-gaz, et j'ai fait deux pleins comme ça, et je me suis promené gentiment en usant de l'essence pendant deux pleins. Sans tirer dedans, moins de mi-gaz. Normalement ils disent mi-gaz sur deux pleins. Donc deux pleins au ralenti et deux pleins mi-gaz en promenant la voiture pour roder le châssis. Là je suis déjà parti dans les champs. Je vais déjà laminer la bouche à la voiture. D'ailleurs comment elle est dégueulasse. Je vais vous faire tout de suite une petite démo de cette bagnole. Vous allez voir, ça va vous faire halluciner. Maintenant, petite séquence tout terrain.
L'essai de cette petite voiture thermique se termine là. Enfin, petite voiture thermique, c'est vite dit. Parce que là, maintenant, sur le marché, on ne peut pas encore trouver plus gros. Peut-être chez Trakax. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Moi, au début, avant d'acheter celle-là, je voulais acheter le Savage XL avec le Big Block 2. Comment ça s'appelle ? Le Big Block 5,2 cm3. Le seul problème, c'est que il n'est plus commercialisé. Donc, je me suis rabattu sur le Savage X 4,6 cm3. Donc, que vous dire ? Mes premières impressions, franchement, je le trouve archi qualitatif et super performant. C'est juste ouf. Enfin, personnellement, de toutes les voitures thermiques que j'ai déjà eues dans ma vie, bah, celle-là, en fait, c'est le Graal pour moi. Parce qu'en fait, j'en rêve depuis que je suis tout gamin, depuis adolescent. À chaque fois, je me disais, je me paierais un Savage. Mais à l'époque, ça valait pas loin de 1000 euros un Savage. Un Savage X et puis un Savage XL, on était pas loin des 1200 euros. Donc, c'était vraiment inaccessible, surtout avec une paye d'apprenti, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, surtout au niveau du rodage, vraiment respecter les temps de rodage. De plein au ralenti et de plein mi-gaz. Moi, personnellement... j'ai fait moins que du mi-gaz, c'est genre j'ai augmenté le ralenti au max de façon à ce que quand je lâche les freins, la voiture elle avance toute seule, et puis j'ai fait des zigzags jusqu'à que je fasse de plein complet pour le rodage du châssis, c'est-à-dire différentiel, boîte de vitesse et tout le toutim. Et après, une fois tout ça fait, bien sûr, vous faites le réglage du pointeau au niveau de la carburation. Alors, c'est bien notifié sur la notice. Vous y allez quart de tour par quart de tour. Ça veut dire que là, comme il est réglé, vous pouvez le mettre en route à la base. Moi, personnellement, j'ai rien touché. Et le truc, il a mis en route au bout de 4-5 essais. Pour le réglage, vous y allez, vous resserrez dans le sens horaire quart de tour par quart de tour. Et puis après, vous voyez ce que ça donne à l'axelle. Et surtout, ne réglez vraiment pas trop pauvre parce que là, vous risquez des chauffe-moteurs. Et un 4,6 de cylindrée à remplacer, à mon avis, ça doit être le prix de la bagnole. Ça, c'est même sûr et certain. On va dire qu'à mon avis, le moteur, il y en a pour un bon 300 balles si vous le pétez. Donc, restez tranquille, quoi. Surtout, réglez de façon à ce que ça soit performant, mais pas trop. De toute façon, moi personnellement, moi mon véhicule, je le fais tourner avec de la 16%. Normalement, ce véhicule-là, faut le faire tourner entre de la 20 et 25% de nitro. Au niveau carburant et performance, je suis loin encore de ce qu'il peut délivrer. Mais vous avez pu constater que c'est déjà pas mal. Pour un petit amateur comme moi, ça suffit largement. Dans de futures vidéos, je vous montrerai bien sûr comment entretenir cette voiture télécommandée. Il y a plein de procédures à respecter. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien de RC Diffusion, là où est-ce que je me suis procuré justement cette véhicule télécommandé. C'est pas de placement de produit, c'est pas un partenariat. Je l'ai acheté avec mes deniers. Je l'ai payé presque 700 balles. Hein, c'est ça, chérie, on l'a payé presque 700 euros. Je l'ai payé 780 et des brouettes avec un bidon de 2 litres de 16%. Donc, pas loin de 700 balles. Et puis, en plus, ce qui est bien avec RC Diffusion, c'est que vous pourrez avoir des facilités de paiement. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 3 fois sans frais. Ça fait un peu moins mal aux fesses parce que lâcher 700 balles pour une voiture thermique, même ma femme au début, elle me disait « Oh, Fifi, tu vas te détendre, ok ?» On a des petits sous de côté, mais tu vas pas me dépenser 700 balles pour une bagnole thermique, quoi. C'est bon, ton adolescence, elle est passée, t'as 38 ans. Et après, on s'est renseigné, bah, elle a vu que je la voulais vraiment et que j'avais envie de retourner à mes premiers amours, entre guillemets, mes premières passions, c'est-à-dire la voiture thermique avant d'aller sur les circuits, d'acheter une voiture, passer mon permis. Donc, elle s'est renseignée, elle a vu qu'il y avait possibilité de 3 fois sans frais. Donc là, je paye 231,30€ pendant 3 mois. Franchement, je trouve ça correct. Si vous voulez faire plaisir aux enfants, papa et maman, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a même des véhicules encore plus petits, en 1/10, quelque chose de moins performant, ou même des électriques qui seront à un peu plus de 200 balles.
C'est vrai que c'est pas donné, c'est pas des jouets que tu vas aller acheter chez je ne sais quel marchand de jouets à 50 balles, mais ça reste quand même quelque chose de performant. Ça variera entre des véhicules qui sont entre moins de 50 km/h et plus de 50 km/h. Celle-là, elle est préconisée à 45 miles. 45 miles, on va dire entre 70 et 80 km/h, vraiment bien réglé. Et vraiment avec une belle allonge, quoi. Une belle allonge, et puis faut la maîtriser, la bête, à cette allure-là, hein, parce que ça va vite se retourner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, likez-la si ça vous a plu, balancez vos petits commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de petit hobby. Perso, ça me manquait. Et comme je vous disais, je vous montrerai comment entretenir un Savage X 4.6 de A à Z au niveau des différentiels, boîte de vitesse, moteur, etc., etc., les suspensions, les pneus et j'en passe. Allez, je vous laisse la famille, peace and love et paix sur vous. Allez, abonne-toi, allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wildy? Un petit PayPal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un tipi, c'est mieux. PayPal, tipi, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, peace and love, et paix sur vous.